nous prions. Maman. Maman. Je veux que tu nous dises pourquoi vais-je prier maintenant pour toi et ta fille Lydie? Tu me l'avais dit. Mais je veux que tu le dises afin que cela puisse être aussi une leçon pour plusieurs personnes dans l'église. Sois bref. Enfant de Dieu, alléluia. Je remercie le Seigneur. Vous savez tous par quelles étapes je suis passée dans la vie et Dieu m'aime beaucoup. Alors que je m'étais mariée, que j'étais encore jeune fille, j'ai eu mon premier enfant, c'est un garçon. Le deuxième, un garçon. Et le troisième aussi, un garçon. J'avais une amie. Et elle, de son côté, n'avait que des filles. Elle avait quatre filles, elle cherchait à avoir un garçon, mais n'arrivait pas. Et aussi de mon côté, ma belle-mère, donc la maman de mon mari, me disait, mais il faut que tu me donnes aussi un enfant qui portera mon nom. Elle disait cela à mon mari. Et le cousin de mon ami était venu du village. Quand il est venu du village, il est venu dans la capitale. Et il a rencontré donc mon ami qui est sa cousine. Et il lui a dit, combien d'enfants as-tu? Il a dit, j'ai quatre filles. J'ai quatre filles et je cherche à voir un garçon. Mais je n'arrive pas à voir un enfant garçon. Et ce cousin-là lui a dit, tu sais, as-tu une amie qui n'a que des garçons jusqu'à présent? Elle a dit, oui, j'ai une amie qui n'a que des garçons. Et elle aussi veut avoir une fille. Et ce cousin-là a dit à mon ami, fais tout pour faire venir ta copine que je vous rencontre. Et nous sommes donc allés toutes les deux voir ce cousin. Et il a dit, comme toi, ma cousine, tu as besoin d'avoir un garçon et que ton ami cherche à avoir une fille, vous devez vous échanger le fil que vous mettez autour des reins. Comme ça, elle pourra avoir, ta copine pourra avoir des filles et toi, tu pourras avoir des garçons. Et nous avons fait cet échange-là. Nous sommes rentrés dans nos maisons. Après trois mois, j'ai conçu, j'étais enceinte. Après 4 mois, Yepe a conçu. Et après 4 mois, elle aussi a conçu. Moi, le jour où j'ai été accouchée, j'ai effectivement accouché d'une fille. Et elle aussi, le jour où elle a été accouchée, elle a accouché d'un garçon. Et moi, j'ai commencé à avoir des filles et j'ai eu 3 filles. Et elle, elle a eu 2 garçons et après elle est morte. Depuis que j'avais eu mon enfant, je n'ai eu aucun problème. Donc la semaine passée, c'était un jeudi. Je dormais pendant la nuit. Je voyais comme dans un rêve. Mais j'entendais comme une voix audible qui me parlait. J'ai sursauté, j'ai dit, ah,
J'ai entendu quelqu'un me parler clairement. Il m'a dit, Maman, souviens-toi, tu te souviens de ton passé? Vous avez échangé, toi et ta copine, le fil que vous mettiez autour des reins. J'ai dit, mais ce n'est pas un problème, ça. Il m'a dit, c'est moi qui te le dis. Va voir les serviteurs de Dieu. C'est quand il m'a dit cela que j'ai sursauté. Ah, j'ai dit, ah. J'ai dit, ça doit être le Saint-Esprit qui me parle. Je lui ai dit, merci. Saint-Esprit, quelque chose que j'avais même oublié, je ne pensais même plus à ça. J'ai demandé directement pardon à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, quand je l'avais fait, certainement j'étais ignorante. Je n'avais aucune mauvaise idée. Comme je l'avais fait, Seigneur, pardonne-moi pour cela. Je sais que Dieu m'aime beaucoup. Dans toutes les étapes que j'ai traversées dans ma vie, aujourd'hui Dieu est venu me parler, me rappeler quelque chose qui date de tellement longtemps, quelque chose dont je ne me souvenais même plus. Voilà pourquoi ma fille que j'ai eue après, c'est Lydie que vous voyez ici derrière. J'avais encore deux autres filles, je viendrai avec elles aussi. Et l'un des fils de cet ami à moi est ici en Allemagne. Je veux dire à mon enfant qui est en Allemagne de le chercher. Parce que comme sa maman est décédée, moi je suis comme sa mère, je vais venir avec lui pour que le pasteur prie pour lui. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Vous voyez, je vous ai dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Voyez une telle chose. Il n'y a que lui qui peut te révéler des choses pareilles. Dieu m'avait montré cette sœur Lydie, qu'elle était enceinte. Elle a conçu, elle a accouché. Et lorsque Dieu me révèle quelque chose, c'est un réma, une révélation. Mais je demande à Dieu, qu'est-ce qui empêche à Lydie d'avoir ses enfants? Parce que tu me l'as montré. Vous voyez ce qui bloquait? Lydie, viens ici. Lélo. Aujourd'hui. Ce qui m'a lu mon sang, tu n'as pas ya maman. Si c'est le Saint-Esprit qui est venu, c'est pas si. Comme le Saint-Esprit était venu auprès de maman, comme le Saint-Esprit est venu visiter ta maman et a révélé cette affaire, je demande au Saint-Esprit, au nom de Jésus, Lydie, que ton ventre s'ouvre, que la malédiction te quitte, au nom de Jésus-Christ. Lydie, tu vas être enceinte. Tu ne perdras pas la grossesse. Tu l'auras, tu accoucheras. Parce que cela sera un signe que Dieu a pardonné le péché. Vous voyez ce qui se passe dans son ventre? Moni. Bamboule belé le qui, je crois, 10 ans. Plusieurs années déjà passées, environ 10 ans. Zamba lakisi, alakisi, alakisi gai maman azokufa. Dieu m'avait montré cette maman en train de mourir. Grave l'hôpital. Elle était gravement malade à l'hôpital. J'ai prié Dieu.
Et Dieu m'a dit qu'il lui rendrait la vie. Et je prie Dieu, je dis, tu ne mourras pas, tu verras les enfants de Lydie, tu verras. Lydie va être enceinte. Si vous pouvez vous réjouir avec moi. Jésus-Christ est vivant. Lydie va être enceinte. Alléluia. 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 Le Père a pardonné ce péché. Ce qui m'ouvre lorsque quelqu'un vient en Christ, ma cambonie se commet ainsi. Toute chose devient nouvelle. Ce qui Zamba l'imbécile sum. Lorsque Dieu pardonne, à ça la gagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Il guérit. Alléluia. Amen. Le péché est pardonné. Le péché est pardonné. Et maintenant la guérison. Et maintenant la guérison. Maman, Zamba l'imbio mingyo. Maman, Dieu t'aime beaucoup. Quand elle me l'a dit au téléphone, j'ai dit moi-même, Dieu le Créateur a déplacé en personne jusqu'à dans la chambre de cette maman. Prenons Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Il se déplacera en faveur de nos affaires. Il se déplacera dans ta famille. Pour la situation. Il se déplacera pour ta situation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette maman avait fait? Pour que Dieu se déplace et vienne vers elle. Que tu ne puisses pas faire. Amen. Ce qui oppose là. Si toi aussi tu es là, Singalo, et que tu as encore un fil autour des reins, viens avec. Ce qui les kambabo et sama la famille na yo. Et si une chose pareille s'est faite dans ta famille, Luka délivrance. Cherche ta délivrance. Amen. Amen. Ce que zana les kambou et tungi saka vie na yo yebaka. Si tu as quelque chose qui dérange ta vie, ta famille, passe et tu ne comprends dans la pas, prière. Passe du temps dans la prière. Saint Esprit. Le Saint-Esprit. Révèle-moi. Révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Akoya. Il viendra. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pardon est comme Elio. Le pardon est venu vers toi. Et sur tous tes enfants. Et la malédiction est ôtée. Mama yaka. Chalo boko na le bomo ya lidi. Bano tungai kobota baya a. Les enfants que l'on devait avoir encore. Qui viennent ici parce que nous n'allons plus avoir des na enfants. Na Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Lidi moi na li boso mo bali na linga linga te soza mo bali opese komo na soza mo opese komo mo sela. Lidi, ton premier enfant, que ton mari le veuille ou pas, si c'est un garçon, tu donneras mon nom. Si c'est une fille, tu donneras le nom de ma femme. Alléluia. Alléluia. Attends, on va la ligne à été. Même si ton mari n'est pas d'accord, ça sera comme ça. Parce que ça sera un signe. Ça. Que Dieu aura eu pitié de nous. Il nous a bénis. Dans ce ministère. Le Seigneur t'a pardonné, maman. Maintenant, au nom de Jésus. Tu vas porter tes petits-enfants dans les bras. Amen. 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 Quand je souffrais de la maladie, j'ai dit je ne mourrai pas. Le pasteur m'avait donné une réponse en disant, Dieu lui a dit qu'il me dise je ne mourrai pas jusqu'à ce que tu aies... J'ai porté les enfants de Lydie. Bonjour, Bayette. Vous vous souvenez comment Dieu l'avait guéri du diabète, de l'hypertension. Et comme ça, un médecin. Cela est de la maladie des reins. Diabète est sauté dans le jour. Cela a étonné les médecins. Femme, tu es guérie. Moi, si au biki. Alléluia. Elle a eu des tout nouveaux reins par l'ordre du Seigneur. Maman, c'est Pela. Réjouis-toi, maman. Yo somba biloko. Toi. Achète les vêtements des bébés. Merci. Pour les enfants de Lydie.
Que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je veux remercier Dieu. Je loue Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous révèle. Zambe ne m'a révélé qu'à Bisso. Et je remercie beaucoup le pasteur. Je remercie Dieu parce qu'il est amour. Et j'aime beaucoup le pasteur, qui est mon père spirituel. J'ai accepté Jésus-Christ dans cette maison, j'ai été baptisé dans cette maison. Je suis parmi les premiers membres de cette église. Alléluia. Je veux seulement dire aux parents, voyez, les enfants, parfois nous sommes victimes des actes de nos parents. Que Dieu pardonne nos parents parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Et Dieu a fait grâce que nous connaissions Dieu, donc nos enfants ont la grâce. Voilà pourquoi je loue Dieu et je le remercie vraiment. Et j'ai confiance. Comme la promesse m'a été faite, je suis venu avec beaucoup de femmes stériles qui ont enfanté dans cette église. Mais je rappelle toujours à Dieu. Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends là. Alléluia. Je sais que mon temps est arrivé. Voilà pourquoi je remercie beaucoup le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Amen. Merci, Lydie, ma fille. Que Dieu les singonions sur les lots. Part dans la joie du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, Nzambe, madame. Hein? Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boyei malam. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.